Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé une bonne journée. On est parti sur Dokkan Battle pour une vidéo invocation et pas des moindres. Gogeta SSJ4 est arrivé et il n'est pas seul dans ce portail. Il y a du LR derrière avec le Gohan Goten qui est de retour, je récupère bien les doublons dessus. Le Gohan qui lui n'est pas LR mais du coup qui était de type technique, qui était sorti il y a pas très longtemps, qui est de retour également. Alors bon, lui j'ai eu beaucoup de chance la dernière fois puisque je l'ai déjà 90%. Et puis un nouveau Su Shenron qui débarque avec un reste de portail Dragon Maléfique, voilà, qui en soi peut être intéressant. Après, il y a des vieilles unités, va falloir faire attention et croiser les doigts pour aller chercher celui qui se tient de cette pose là, Monsieur Gogeta 4, puisque son portail nous permet d'aller faire des invocations avec de la promo. Vous le voyez, la première multi elle est à 25 et puis ça augmente progressivement. J'espère que la chance sera avec nous. Dernier portail, malheureusement, Jiren, je ne l'ai pas obtenu en 600 DS. Freezer, je crois, j'ai mis 400 DS, malheureusement, je ne l'ai pas obtenu non plus. Alors, Gogeta 4, je t'en supplie, mon pote, il va falloir que tu tombes aujourd'hui. On va regarder rapidement le détecteur, en tout cas, bon courage à tous ceux qui invoqueront dessus. Vous me direz ce que vous avez obtenu dans les commentaires, bien évidemment. Donc, le Gogeta qui est ici, voilà, qui est beau, qui est grand, double leader catégorie puissance gorille et dragon maléfique, si je dis pas de bêtises. On a le Su Shenron qui est dragon maléfique aussi à 120%. Le retour du Gohan Goten qui est présent. Le fameux Gohan dont je parlais, qui est présent encore une fois, que j'ai déjà 90% alors qu'il est sorti que sur un portail. Piccolo, c'est pareil, c'est du 90% dans ma box, donc j'en ai pas l'utilité. Pareil pour le Goku puissance, c'est un puissance max, c'est du 100, je l'ai 100%. Puis l'ancien Gogeta 4, bon, et Omega, bon, là, c'est voilà, c'est plus compliqué. Bref, j'espère que la chance sera avec nous. Il est 7h25 du matin. Je me suis dit, pour une fois, là, je suis encore debout. Alors, je vais invoquer, parce que je me souviens qu'à l'ancienne, quand j'invoquais, quand un portail sortait, j'avais tout le temps de la chance. Alors, on va essayer de croire en notre chance et de partir pour ce que j'appellerai la première multi-invocation, messieurs, dames. Eh ben, j'ai décidé qu'on y allait. C'est parti, première multi-invocation. Please, allez. Allez, allez, une bonne animation pour démarrer. Ah ouais, c'est pas ce que j'appelle une bonne animation. Là, le projet, il est pas trop présent, malheureusement. Oh, même pas de transformation. Ah, ok, bon, ok. Transformation, au moins SSJ2, s'il te plaît, pas SSJ1. Ok, SSJ2 quand même. Ok, pas de SSJ3, on sait jamais, un miracle peut très vite se produire avec un SSJ2. J'ai envie de croire en un miracle aujourd'hui. Je me dis, j'invoque de bon matin comme ça, il faut que ça paye. Ça peut... Je peux pas sortir de cette vidéo avec rien du tout, t'as vu, c'est pas possible. Ok, pas grand-chose pour le moment. Pas grand-chose pour le moment, on n'a pas. Pas grand chose pour le moment, malheureusement. Ok, Lee Shenron. C'est 19. Ah ouais, non, ça sent. Ouais, Goku, j'allais dire Gohan, mais c'est Goku. C'est 18. Ok, c'est 16. Beaucoup de cyborgs pour pas grand chose. Et. Kale. Je ne sais pas si je l'ai 100%, mais ça doit pas être loin, en tout cas. Et donc, première multi-invocation qui, malheureusement, ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité, hein. Clairement, non, ça aurait pu être mieux, mais bon, ma foi, ok. Kefla est quand même une très très forte unité. Je crois qu'elle a eu son ZTUR, non? Je crois qu'elle a eu son ZTUR, à moins que je me trompe d'unité. Bref, même si elle a pas eu, de toute façon, elle est quand même très très forte. Et voilà, je la kiffe, mais bon, là, malheureusement, c'est pas elle que nous aurions voulu. Après, il n'y avait pas d'animation, donc on s'entendait pas à grand chose non plus. Allez, il faut que sur la deuxième multi-invocation, il faut que ça paye, il faut que ce soit un peu plus sympathique par la puissance du gorille qui m'est conféré, Monsieur Gogeta 4. It's time! Let's go, mon pote! On y va! Allez, une animation. Ah non! C'est 17 et Trunks, pourquoi il n'y a pas ces 18? Pas d'animation, encore une fois. CJ1, CJ2, mais il n'y a pas d'animation. CJ3, ok. Ok, CJ3 quand même, on ne sait jamais avec un miracle de la vie qui se produit. Great to Saiyaman! Non, pas. Seul. Ouais, ça sent pas bon, cette histoire. Merita, GT, ok. Ah ouais, ouf, ça sent vraiment, vraiment pas bon, là. Ouais, Piccolo, ok. Oh, duo de Zaru. Ah ouais, le SSJ3 pour ça, il est dur, hein. Ouf, oh, lui, il est dur, hein. Ah, lui, il fait mal, hein. Ok, Piccolo. Ok, je récupère. Par contre, très bon doublon. Le C16 technique, je n'ai absolument pas de doublon dessus. Donc, lui, par contre, techniquement, je le prends avec plaisir. Voilà, je le prends avec plaisir, lui. Mais c'est vrai que... Là, on est sur un rythme, il est pas bon. Hein. On est sur un rythme, il est vraiment pas bon. Il fait pas plaisir, il donne pas envie. Monsieur le gorille... va falloir... Hein, va falloir être meilleur. Allez, je t'en supplie, on y retourne. J'en appelle à la puissance de Izuku Midoriya. Izuku Midoriya! Let's go! One for all, on y va, mon pote.
On dégaine. Animation. C'est la première animation. Ah non, c'est pas bon, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ouais, mais... Pas de transformation arc-en-ciel, c'est chelou. Ok, c'est chelou. Bon, bah, bye bye, les gars. Ouais, je suis triste. C'est 17, Gohan, il n'y avait pas assez 18. Bye bye. Et un seul bye bye. Et malheureusement, encore une multi-invocation qui va partir dans le vent. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh, le plus vieux Goku de l'histoire du jeu, limite. Je sais pas. Bon, j'abuse un peu, mais en tout cas, il doit faire partie des premiers SSR qu'il y avait dans le jeu. Il y a de quoi grincer des dents, là, pour le moment. Hein. À 3 multi-invocations, pour le moment, pour rien du tout. C'est terrible. C'est affreux. Qu'est-ce que Hildegarde ? Ouais, je l'ai 100%. Ah, et Goten, mais que j'ai 100% aussi. 3 SSR dans la multi, et malheureusement, ouais, rien du tout. Rien du tout. Ah, par contre, ouais, ils ont fait les crevards de ouf. Ouais, ils ont fait les crevards de ouf. Oh là 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 là, je suis en train de capter. Je pensais qu'au bout de 3, t'avais la multi gratuite. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu te démerdes. Tu vas aller claquer tes 50 DS à chaque fois. Ah ouais, c'est dur. Chung, merci pour les follow. Merci pour les follow, ça fait zizir. Bon. Bon, 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 bon. Catastrophique. 3 multi pour rien du tout. Il nous reste 3 multi à faire. Nous n'irons pas plus loin. Ça sera uniquement ça et rien d'autre. Gogeta. Alors, please. Je sais plus. Je pense qu'il est temps de faire appel à José. Par la puissance du front qui nous est conférée, mon pote. Toi seul peux être le sauveur. Toi seul peux être le sauveur, José. Let's go. Une animation. Juste une animation. José. Mais pourquoi j'ai pas une seule? Non, mais me refais pas le même coup. Ok, bon, il se transforme cette fois-ci. Juste Goten avec Goku, SSJ1, SSJ2. Et pas d'SSJ3 malheureusement, ok. Allez, please. Un miracle. Juste un miracle, je t'en supplie. Je me suis fait pisser dessus sur les deux derniers portails pour un total de 1000 DS. Pour rien avoir sur les deux derniers portails. Même pas des choses intéressantes, rien. Le jeu, Gogeta, on a du GT, mais pas Gogeta. Chaozu, ah, c'est, elle est horrible la multi, elle est ratée, Piccolo, déjà je sais pas combien de doublons dessus. Et lui c'est pareil, le Piccolo est très bon, mais le Piccolo, quand tu l'as déjà 90%, est-ce que techniquement ça change quelque chose de le réobtenir? Moi je vous pose la question, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Nous allons te regarder face to face, mon pote. Face to face. Face to face. Gogeta 4, m'entends-tu? Me vois-tu? Je vais t'obtenir. Regarde bien le talent qui va payer. Je t'obtiens là-dessus. Ils sont jamais ensemble, là, c'est 17, c'est 18. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est terrible, c'est affreux à SSJ1, SSJ2, mais pas d'animation, donc on espère rien du tout. On n'a même pas d'animation aujourd'hui, on n'a même pas un truc qui garantit ne serait-ce qu'un détecteur, on n'a même pas un personnage détecteur. Ça me rend fou quand même, ça me rend fou. Sur un total de 6 multi-invocations, on va pas aller chercher un seul détecteur. C'est malheureux, même si c'est pas le nouveau Gogeta. Rien à se mettre sous la dent. Ouais, bien sûr, je suis déçu, bien sûr. 7h du mat pour ça. 7h du mat pour ça, là. 7h du mat pour ça. Je crois que même sur le portail de Jiren, le portail de Freezer, je crois que je me suis même pas autant fait pisser dessus. Là, c'est même plus je me fais pisser dessus. Je me fais royalement chier dessus par ce portail. Là, c'est du caca, là. Du caca, mais en conserve, vraiment. Et liquide, hein. Alors là, clairement, la bonne bouse, hein. La bonne bouse. Il n'y a pas eu un seul personnage intéressant, un seul personnage qui pourrait aller avec ma box. Pourtant, il m'en manque des unités. Pourtant, des doublons, je peux en récupérer, hein, sur ce portail. Hein. Le Sushenron, je l'ai pas. Gogeta, je l'ai pas. Le Gohan Goten, je n'ai pas de doublons. Il y avait, je sais plus qui d'autre, pareil, où je n'ai pas de doublons que je récupère. Rien du tout. Même pas une animation. J'ai même pas espoir sur la dernière. Mais je vais quand même tenter un doigt de la justice. Let's go. Please. Il y a du monde, hein. Enfin, il y a du monde, mais alors il n'y a rien qui garantit une animation. Hein.
Est-ce qu'un Whis peut agir? Est-ce qu'un Whis sorti de nulle part? J'y crois pas du tout avec un SSJ3. Ah, c'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai avec un SSJ3. C'était vraiment trop beau. Mais il y avait trop de monde sur le terre-terre. Il y avait trop de monde. SSJ3, c'est SSR, mais c'est pas détecteur. Donc à tout moment, c'est le plus claqué des SSR qui existera et basta, quoi. Et encore, s'il faut, ça sera même que le dernier, tu vois. Le SSJ3 garantit rien du tout aujourd'hui. L'époque de Shenron en fond me manque un peu sur ça, quand même. C'est vrai que le Shenron en fond, quand tu l'avais, c'était extraordinaire. Ouais, tu vois, le SSJ3... Le SSJ3, ouais, pour ça. Oh là là. Je suis dépité, vraiment, je suis dépité. Ah là, je suis dans un cercle de non-luck. Ah, je suis abattu. Là, je suis... Ouais, là, pour le coup, je suis abattu parce que... Vraiment, je... Même si j'avais pas Gogeta 4, j'avais quand même de très bons doublons à récupérer, et là... Ouais. Ouais, je suis abattu. Non, vraiment, je suis abattu. Là, on est sur un total de 1250 DS sans rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas. Je suis à 1250 sans drop un personnage vedette. Ouais. 1250 DS, 3 portails, pas un seul vedette. Et en termes de détecteur, je crois que sur Jiren, j'ai eu Topo une fois. J'ai eu Dispo, j'ai eu l'ancien Topo, donc j'en ai eu, mais en même temps, il y avait tellement de... C'était un légendaire, donc il y avait beaucoup d'SSR. Freezer, je crois que j'ai même pas eu pareil de détecteur, donc... ou peut-être un seul. Ouais, non, j'ai les boules. Franchement, je suis dégoûté. Je peux pas m'en cacher, je peux pas faire semblant, je peux pas faire le mec qui est heureux et venez pas me dire « Ouais, c'est bon, tu fais que râler Lilian et tout ». Là, en même temps, je suis sur 1200 et quelques DS, sachant que sur les 1250 DS, j'ai mis de l'argent. Forcément, j'atteins un retour sur investissement, rentabilité, bénéfice. Ah là, y a rien du tout. Là, c'est... Sous un pont, Lilian, c'est... Je vais aller dormir, voilà, je suis pas bien, quoi. Ma nuit, elle est nulle. Ma nuit, elle est éclatée, la nuit qui arrive. Voilà, je le dis, je suis triste. Ouais, même pas un détecteur. Voilà, j'aurais voulu ne serait-ce qu'une petite compensation, juste qu'on me lance une pièce comme ça, là. Ping, allez, tiens, prends un détecteur, juste. Même si c'est le plus nul, prends un détecteur. Bah, même pas, voilà. Donc oui, je suis déçu. Et je vous souhaite vraiment de tout cœur d'avoir la luck, parce que de mon côté, ça n'a pas payé. Et voilà, c'était le jeu, ma pauvre Lucette. On reviendra plus fort un jour, qui sait, mais on attendra le prochain portail. Je sais pas qui doit arriver dans les prochains portails, mais ouais, je suis triste pour Gogeta parce que sa catégorie, quand même, elle aurait pu être sympa. Et malheureusement, eh bien, je m'incline face à la puissance du gorille. En tout cas, les amis, eh bien, nous, on termine cette vidéo par ici. Bien évidemment, si vous l'avez apprécié, vous bombardez les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Bon courage dans vos invocations, en tout cas, si vous partez invoquer. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires, justement, à nous dire ce que vous avez drop. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour être au rendez-vous lors des prochaines vidéos et des prochains lives au moment de leur sortie. Bien évidemment aussi, qu'est-ce que je voulais vous raconter? N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Très important, on live régulièrement sur Twitch. N'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. On live sur plein de jeux différents, on s'amuse, on rigole. Voilà, c'est un peu différent de ce que l'on fait sur YouTube. Mais voilà, on s'amuse bien, donc n'hésitez pas à passer, vous avez tous les liens dans la description, également les réseaux sociaux si vous avez envie de partager vos multi-invocations, Twitter, Snap, Instagram, vous connaissez. Moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dokkan Battle. Ciao tout le monde.